Bien. Il y a eu beaucoup... Et en vrai, il y a eu beaucoup de gens qui ont kiffé le délire FM. Ça faisait très plaisir. HTS Hall. En vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Le but de Malcolm contre Lyon, c'était... ça a été destructeur. Mauvaise journée. Du coup, on va jouer à Game Dev Tycoon. Alors, c'est assez simple. En fait, c'est un jeu où vous devez créer des jeux. Et donc, vous avez connu Coach Bizo. Vous avez connu... Oh, le pire son. Arrêtez! Ne mettez pas des bandes son comme ça. Voilà. On va jouer à un jeu fantastique. Un jeu où... J'avais envie de jouer à ça. Et parce que je pense que c'est très cool. C'est un peu les... En fait, c'est les petits jeux qui te permettent d'être assez créatif et de te taper des barres. Si c'est nul, on arrêterait. On connaît, bon. Mais c'est comme d'hab, vous êtes plus de 5000. Donc, vous en faites pas, hein. Je suis en train de descendre le jeu. Vous allez bientôt me voir, normalement. Bientôt. J'arrive. J'arrive. Soon. Salut! Salut, salut. Allez, ciao. Ah ben, n'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas, ceux qui veulent pas. Ceux qui veulent que du LOL, n'hésitez pas. N'hésitez pas, nous allons passer un très agréable moment. Alors du coup, j'ai jamais joué, j'ai toujours voulu jouer. Parce que je pense que c'est assez bon délire. Et du coup c'est un petit jeu de gestion. Mais qui est assez marrant. Donc on va créer ensemble des jeux. Donc vous allez avoir un impact, hein, parce que vous allez me conseiller sur ce qu'on fait. Vous allez voir, c'est super cool. Oh là là, je suis excité, ça y est, c'est parti. Attendez, faut que je change de... Est-ce qu'il y a Game Dev Tycoon? Game Dev... Tycoon. Zéro spectateur, je suis le seul streamer de ce jeu. Je suis le seul streamer de ce... Dark Eagle. Oh putain, toi t'étais là, toi. Merci. Bon, du coup, les débuts. Bienvenue dans Game Dev Tycoon. Dans cette simulation d'entreprise, vous allez être transporté dans le temps. Au début de la révolution du PC, pour démarrer votre propre entreprise de conception de jeux vidéo. Dans les 35 prochaines années, vous pourrez construire l'entreprise de vos rêves, générer d'incroyables ventes de jeux, gagner des fans et devenir le leader du marché. Bon, alors imaginez que on pouvait... Avant de commencer votre entreprise, vous devez donner un nom à votre entreprise. Oh! Comment on l'appelle, entreprise? Moi j'ai quand même... Bizo Corporation. Bizo Corp. Comment on l'appelle? Proposez des noms. On a besoin déjà d'un nom. Très important. Est-ce qu'on met le son du jeu ou je mets de la musique? Parce que ça a l'air... La Bizo Corp. PA Inc. Oh, PA Inc, c'est pas mal. Bizo Management. Bizo Entertainment. Bizo Entreprise. Ouais, Eclipse. C'est Nantes, il y en a, ils ont des vrais blazes. Hein. Il y en a, ils ont des vrais blazes. Bang Bang Domingos, c'était marrant. Bizo Entertainment. Ça va être Bizo Corp. Hein. Ça va être la Bizo Corp. Domingo Squad. Ça va être la Bizo Corp. Eclipse MDR m'a tué. Derrière le stream, Xari. Lourd. PA Industrie. Moi, c'est la Bizo Corp. Iye Bizo, Isu Gaming, Domien. On n'est pas inspiré. Vous n'êtes pas inspiré. Zankul Prod, ça c'était marrant. Bizo Holdings. Non mais c'est naze. Bizo Industrie. Oh putain, il faut. Bah alors demande pas aux abonnés, t'es bête. Ah si t'en entends, vous êtes quand même pas mal inspiré. Ubisoft. Ubisoft. Parce qu'il y a Bizo dedans. Ubizo. Ah mais Ubisoft, on comprend pas trop qu'il y a Bizo. Bizo SG. C'est nul, tu vois. Bizo Academy. Les... Mon entreprise. Mon projet. C'est notre projet. Bizo Limited. Je ne sais plus. C'est Bizo, Bizo & Co. Bizo & Fils. Bizo et Fils. Bizo et Fils, c'est pas mal. Bizo et Fils, moi j'aime bien. C'est vraiment la petite boîte familiale. Bizo et Fils, voilà. Bah écoutez, mon fils a repris l'entreprise. Oh, c'est Bizo et Fils. Nom du joueur. PA. Bizo. Ça fait un peu... C'est bisous et fils. Vous êtes mes fils, si vous voulez. Vous avez le droit d'être mes fils, voilà. C'est... Je serais cool avec mes fils. Si j'en ai.
C'est un animal qui va sortir. Je suis donc un mec. Pourquoi je mets tout en caps là ? On dirait un teubé là. On dirait un demeuré quoi. On dirait un demeuré. Bisous futé. C'est pas mal en vrai. Bisous futé. Eh, bisous futé, c'est lourd de ouf en vrai. On me l'avait jamais fait. Bisous futé, c'est vraiment super lourd en vrai. Ah non, mais. Bisous futé, ouais, je prends. J'accepte. J'accepte le bisous futé. C'est nul en caps, non ? J'ai mis femme. Ah merde. Je remets homme. Bon. Ah, tu peux t'habiller différemment ? Waouh. Ils ont vraiment poussé le jeu niveau conception. Hein. Oh, niveau personnalisation, on est bien. Ah là, on est quand même... Ah, on est quand même pas mal. Hein. C'est... Ah, ouais, on se tâte. Le petit Jacquard, on va se la jouer classique. Son nom de famille, bisous. Oui, oui, bah du coup, ouais. Sinon, toi, t'as pas dû comprendre la blague depuis le début. De dire pourquoi ils disent tous bisous. C'est con, ça veut dire quoi, bisous? Ouais, t'as pas dû dire la blague. J'aurais dû prévenir. Pourquoi Bizo ? C'est mon nom de famille, du coup. Je m'appelle Pierre-Alexis Bizo. Enchanté, bienvenue. Un petit pull jaune Nantes, mais y a pas. Du coup, c'est le petit pull gris, quoi. C'est genre le gars pas très fun. Alors, aucun projet. Mécène, aider une jeune start-up à prendre son envol. Acheter le jeu. Félicitations. On a... développé un nouveau jeu. Alors, il y a différents trucs. Ah, c'est principalement développer un nouveau jeu, j'ai l'impression. On se tente un autre clic. Au hasard, sur la porte. Développer un nouveau jeu. On a 70 000. Alors, vous voyez, il y a des trucs bug, design, technologie et recherche. Alors, pour l'instant, c'est assez basique. Vous allez vous dire, que se passe-t-il ? Développer un nouveau jeu. Le petit tuto. Ça nous met toujours bien. Avant de pouvoir commencer le développement, vous devez décider de quel genre de jeu vous voulez créer et lui donner un nom. Vous pouvez aussi sélectionner de quelle technologie de graphisme votre jeu sera doté. Donc là, on va voir un peu. Ben Pastorix, merci pour l'année de sub, frérot, ça fait plaisir. On met du sub-hype, on met tout ce qu'on a. Alors, votre choix est limité au début, mais avec un peu d'expérience, vous devrez pouvoir débloquer de nouvelles options. Classique. Jeu numéro 1. Oh, putain, le premier jeu. Alors, on l'a. C'est soit un jeu de chirurgie, soit un jeu de transport, un jeu de loi. Un jeu d'horreur, hein. On va faire un jeu d'horreur. On est un peu des... Et on en fait un jeu d'aventure. Mais attends. Un jeu d'aventure horreur, tu vois. On est un peu... jeu de loi. Ouais, ça faisait un peu le truc... un jeu de chirurgie, gros. Plateforme. Ah, là, déjà, il y a les différentes plateformes. Jeu de loi. J'avoue que c'est pas mal. Mais c'est pas le même jeu de loi que ce qu'on disait. Ouais, aventure, ça c'en est bon. Et la plateforme. Alors, soit on le développe sur G64. Il y a 56% de parts de marché sur le G64. Ça coûte 20 000 à dev. Mais... Ah, ça, c'est pas le bon plan, ça. On a 70 000 de thunes. Après, la part de marché est quand même plus haute. Là, ça coûte moins cher, mais avec une part de marché un peu plus haute. Moi, je pense que... Parce que du coup, faut placer le nom de l'entreprise. Je pense que chez Bisous Futé, on en a là-dedans. Et on va directement partir sur le PC. Parce que Bisous Futé, il pense aux sous. C'est moins cher, on touche un peu moins de gens, mais quand même. Et le nom du jeu, donc ça coûte 5000 là pour faire le jeu. Panic Attack. Tu prends les deux premières lettres. Le P et le A. Cette imitation de Van Damme ne reviendra pas. Cette imitation de Van Damme ne reviendra jamais. Five Nights. Oh oui, oui, je vous aime. Splendide. Oh oui, celui-là, il est bien. Celui-là. Five Nights at Bizos. Ils mettent bien... Ouais, c'est ça, ils te mettent un... Voilà. Bon, alors, notre premier jeu, c'est Five Nights at Bizot. Vous ne souhaitez pas qu'on développe nos jeux ? Ah, j'ai pas mis le genre, je suis con, pardon, aventure. Bah, du coup, je remets là. Ok, suivant. Graphisme. Alors là, c'est important. Alors là, vous êtes des devs, hein.
Faites comme si vous étiez intelligent là. Alors, graphisme en mode texte, ça coûte 5000. C'est chiant. Ou graphisme en 2D. Ah, c'est déjà des thunes à lâcher quoi. Graphisme en 2D V1. Moi je pense qu'il faut qu'on soit un peu innovant. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu innovant. Moi je vois du graphisme. C'est-à-dire que là on est au tout début. Hein. Là on est pas. Là on est en genre 1980, 90, je sais pas. Souvenez-vous. Là je pense que 100% 2D. On n'est pas là pour faire comme font les autres. Nous on va sur le PC, c'est pour créer des nouvelles choses. Alors c'est parti. Donc ça nous a coûté. Donc là, le développement d'un jeu se passe en 3 phases. Ça, je sais pas comment ça. Au début de chaque phase, vous choisissez sur quel domaine du jeu vous voulez vous concentrer. Bien choisir le domaine sur lequel passer du temps vous fait faire plus de points. Pensez à quels domaines sont importants pour le jeu et lesquels le sont moins. Si vous voulez une brève description des différents domaines, référez-vous au menu d'aide. Ah oui, d'accord. Donc, le gameplay, le moteur, l'histoire et les quêtes. Moi, je pense que l'histoire et les quêtes est quand même assez important. Parce que tu sais, c'est les premiers jeux, donc faut vraiment un truc qui te prend au corps, quoi, tu vois. Merci la gueuse. Voilà. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Putain, son de sub de merde. Merci Dranel pour ce sub. Merci beaucoup. C'est zéro histoire, jeu d'horreur. Histoire zéro. Ah c'est vrai que vous êtes pas con. Bah, après ça dépend quel type d'histoire, tu vois, Resident Evil. Voilà, on fait. Faut choisir. On fait du gore ou on fait un peu de l'aventure. C'est un jeu d'horreur, tu t'en fous de l'histoire. Ah vous voulez du gore vous? Gameplay. Ah. Parce que du coup, c'est aventure-horreur. Donc je pense que le graphique va être quand même important et le gameplay. Et l'histoire, de toute façon, tu peux pas mettre... Il y a un minimum. Moi, je pense qu'on est pas mal, là, comme ça. Parce que du coup, il faut quand même un bon moteur graphique, surtout pour l'horreur. Il faut quand même que ça... Bienvenue à toi, psycho. Bienvenue. On est en aventure. J'ai dit quoi? J'ai dit action. Ouais, c'est ça, on est dans aventure. On est obligé de mettre de l'histoire, vous êtes cons. Ah ouais. En vrai, les trois sont importants. Moi, je pense que le gameplay un peu moins. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est un jeu d'aventure. C'est que c'est pas. En fait, Five Nights at Freddy's, c'était pas un jeu d'aventure. C'est un jeu de. C'est un jeu. Il faut un peu d'histoire quand même. Il faut un peu d'histoire. Moi, je mets ça comme ça. Ok. On est parti. Alors, là, du coup, il va y avoir différents points. Donc, des bugs, design, technologie, recherche. Pourquoi il se gratte là? Ah, alors là, il y a des. Ça, je sais pas. Le développement a commencé. Pendant le développement, des points seront générés. Les points de jeu sont divisés en points de design et de technologie. Donc ça, c'est les deux points. Plus vous générez de points, mieux le jeu sera. De temps en temps, des points de bugs apparaîtront. Il y en aura de moins en moins quand vous serez plus expérimenté. Les bugs doivent être résolus avant de sortir le jeu, augmenter le temps et le coût de développement. Ok. Un jeu de merde, là. Oh ! Oh ! Phase 2 de dev. Alors, les dialogues, l'intelligence artificielle, le design du niveau. Alors, toujours pareil. Toujours pareil, l'intelligence artificielle. Quand même un peu de dialogue. En fait, c'est ça le souci, c'est que horreur aventure. Non, il faut pas de dialogue. On va pas foutre de dialogue. Non, ça doit faire peur. Peu de dialogue, peu de dialogue, peu de dialogue. Mais gros design. Gros design. Gros design. Ouais, je mets un peu moins. Je mets le minimum de dialogue. Gros design. Et. En fait, là, c'est. Intelligence artificielle, ça me semble bien. Pas trop de dialogue. Bon, limite, t'as à fond, hein, le design. Moi, je pense que si on arrive à percer... Après, moteur, j'ai pas mis à fond, donc faut pas non plus qu'on chauffe. Là, ça me paraît bien. Oh, des petits points. Des petits points! Donnez-nous des points! Pendant le développement d'un jeu, vous pouvez choisir d'y adjoindre des fonctionnalités supplémentaires. Pour le moment, vous ne pouvez choisir que son basique, vous débloquerez rapidement de nouvelles options. Oh, ça va être bien, putain! On va créer des jeux de ouf. Mais ça augmente aussi son coût, normal. Vous verrez aussi le type de graphisme choisi quand vous avez choisi lors de la création du jeu. C'est juste un rappel de votre choix. Vous ne pourrez pas le changer en cours de route, bien évidemment. Troisième partie. Alors là déjà, on est bien. On a des sons gras. Ah, on est en son basique. On est quand même en bon son. Le design du monde, les graphismes, le son. Le son est super important dans un jeu d'horreur. Corrige les bugs. C'est à la fin. Là, je suis dans le tuto, donc je pense qu'ils vont nous... Je ne sais pas jouer non plus. Enchanté. Je pense que design du monde, on va un peu le baisser. Et on va quand même pas mal se donner sur le son et sur le graphisme. C'est vraiment ça, c'est le... Tu vois ce... Tu vois ce moment de... Il faut du son, il faut du son, il faut du... Il faut du son. Là, on est bien, je pense. On va même mettre un peu plus. On va baisser un petit peu ça. Voilà, là, ça me semble bien. Son et graphisme. La musique fait l'ambiance. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça, je... Ah, mais je ne peux que plus soyer, quoi. Alors là, je plus sois. Je suis en plus soyance. On prend du point, hein. Pas mal de bugs, quand même.
Après, c'est notre premier jeu. Dépense mensuelle. On a plus que 26 000. Le développement de votre premier jeu est maintenant terminé. Vous pouvez appuyer sur le bouton terminer pour publier votre jeu, mais vous ne devriez pas le faire qu'une fois la plupart des bugs corrigés. Sortir un jeu sans encourager pour les... Ouais, bah ouais, les mecs te fument, quoi. Vous devrez envisager cette possibilité que si vous avez besoin de l'argent. Ouais, voilà, c'est vraiment si t'es en dèche, tu dois le balancer, quoi. Encore des points. Ah, donc là, il corrige les bugs. Donc là, je peux le terminer. Le jeu est terminé. On va release le jeu, là ? Merci beaucoup, Rubidium, 19e mois. Merci frérot, le développement de votre jeu est maintenant terminé. En développant des jeux, vous gagnez de l'expérience et améliorez vos compétences. À la fin du développement, il vous sera présenté une synthèse de l'expérience acquise. Donc là, on a pris... Là, c'est ce qu'on a... On a gros up, là. Bonus, nouveau thème, nouveau combo. Ça fait quoi, ça? Ça, c'est des expériences, ça? C'est un RPG, le jeu. Oh, le PA Biseo! Je pense qu'on le publie, hein. On le publie. Succès. Bon choix. Créer un jeu avec une bonne combinaison sujet genre. Allez là! On s'applaudit! Votre jeu est maintenant terminé et va être mis en vente. Nous devrions bientôt voir arriver des critiques. Oh, les premières ventes. Les premières critiques pour Five Nights at Bizo's, notre dernier jeu, viennent d'arriver. C'est cool ce jeu vidéo. C'est pas mal. Bien fait de l'acheter ce truc. Du bal, pas dégueu comme jeu quoi. Du gaspillage d'argent, pas très marrant. Nice. Après avoir publié un jeu, vous pouvez prendre du temps pour analyser. Oh bah là on va partir dans la montagne. Hein. Oh là c'est... Là généralement il y a 2 mois dans la montagne seul. Hein. Seul avec un ours, tu prends le temps de... T'as lâché 60... On a lâché combien ouais, 44 000 balles. Bon là tu... Tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi, quoi. Tu manges des baies. Les rapports sont un bon moyen de gagner des points de recherche avec des bonnes idées sur la façon de développer un jeu. Pour faire un rapport, fermez ce message et cliquez n'importe où pour faire apparaître le menu. On va cliquer. Faire un rapport sur le jeu. Coût 39 000. Lui. Biseau futé. Un nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo vient de sortir son premier jeu Five Nights at Freddy. Le jeu a reçu d'assez mauvaises notes des critiques, mais avec un peu d'expérience, nous sommes sûrs que nous verrons de meilleurs jeux de Biseau futé dans le futur. Oh, je vends! Je suis en train de vendre! C'est vendu à 983 exemplaires. C'est pas mal! Maintenant que votre jeu est en vente, vous en recevez des recettes chaque semaine. Vous pouvez voir comment votre jeu s'en sort en regardant le graphique des ventes dans le coin supérieur de votre écran. Et ça continue à vendre! On en vend plus! Notre analyse post-publication est terminée, nous avons obtenu les résultats suivants. Aurore et Aventure est une excellente combinaison. Moteur semble être pas important pour ce type de jeu. Bah ouais, bah c'est ce qu'on avait mis, hein. Les rapports sont un bon moyen de gagner des points de recherche, des nouvelles idées. Les rapports sont... C'est qu'un tuto, ce jeu. C'est un tuto permanent, c'est quand qu'on joue, du coup. Maintenant que vous avez fini votre premier rapport, regardez le menu de recherche pour l'ouvrir, fermez ce message. Alors, menu de recherche, rechercher. La recherche, bon, au moins on comprendra tout. La recherche est importante pour débloquer de nouvelles options et faire de meilleurs jeux. Vous devriez essayer d'économiser assez de points de recherche. Ah, les points de recherche, je peux les réinvestir, d'accord, j'avais pas compris. Donc c'est pas mal, en fait. Essayez de développer des jeux présents, tant différentes combinaisons de thèmes genre pour une légère amélioration de la recherche. Que souhaitez-vous ? Nouveau thème. On va vouloir... Ah. On a le thème enquête. Et médiéval. Lourd. Rythme. Médiéval. Vas-y, on va faire un jeu de chevalier. Rechercher. On va faire un jeu de chevalier. Moi, je suis archi chaud pour faire un jeu de chevalier. Sinon, PSP. Oh, non, non, non. Wow. Tu vois bien que les gars n'ont pas... ils pouvaient pas habiller plus leur jeu, si tu veux. Tu vois, c'est des petites bulles qui vont, donc... Ils auraient pas d'argent pour ça. Maintenant, je peux faire des jeux. J'ai envie de faire un jeu sur le médiéval. Développer un nouveau jeu. Historique des jeux, c'est quoi? Ah, ça, c'est que le... J'ai perdu 12 000 balles, quand même, sur ce jeu. Mais bon. Il va continuer à nous rapporter des sous, si je comprends bien. Ouais, assez peu. Mais développer un nouveau jeu. Jeu numéro 2. On va faire un médiéval. Splendide. On va faire un jeu médiéval. Non, on va pas l'appeler Chevalier Biseau quand même. C'est... Age of Bizot. C'est pas mal. C'est pas mal en plus. Médiéval, du coup. Genre. C'est. Attends, c'est quoi. Parce que. Est-ce qu'on fait. Après, c'est est-ce qu'on fait en fonction du nom. Tu vois, est-ce qu'on l'a appelé Age of Bizot. Du coup, on fait un peu un Age of Empire. Tu vois, c'est ça le.
ça ma question là que merci, je vous posais. Merci la gueuse. Oh. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Merci. Merci bébé Cublaze. On va faire RPG quoi. C'est quoi les autres modes ? Soit tes stratégies, ouais, mais on va pas faire un. On dit que les noms des jeux ne sont pas liés au jeu, d'accord ? C'est juste on trouve des noms marrants quoi. Et plateforme. En vrai, on pourrait se lancer sur G24. Hein. Moi, je pense qu'il faut frapper fort. On a le médiéval. Je pense qu'Age. Imagine. Il y a 20 ans, t'arrives tranquille, tu te balades, t'es dans ta Fnac. Oh ! Un nouveau jeu vient de sortir. Et là, tu vois Age of Bizo. Tu vois, avec une tête, un chevalier et tout. Je pense que tu peux l'acheter. Je pense que. Moi, je pense que partir sur G24, c'est bien. T'as pas l'argent. J'ai 38 000. Moi, je pense que ça peut nous faire un gros coup. T'es greedy ? Pas assez de thunes. Faut se spécialiser, penser à l'avenir. T'es pas con, toi. Toi, on va t'embaucher, toi. Toi, on va t'embaucher en head marketing, toi. Toi, t'es déjà dedans, toi. Attends, j'ai bien fait le bon, là. PC. Pourquoi ça coûte 15 000, là, d'un coup ? Pourquoi 15 000, là ? C'est cher ? Non, non, Là, il nous faut full option. Là, il nous faut full option. Edge of Viso. Oh putain, il y a peu de points déjà. 8K dépenses mensuelles. Oh là là, on est en train de perdre toutes nos thunes. Du coup, RPG, mais c'est important le RPG là quand même. Les histoires. Faut compter les frais de serveur. J'ai pas compris ce que m'a dit. Comment. Histoire et gameplay. Histoire max. Moi je pense histoire c'est bien. Faut pousser histoire. Hein. Moteur enlève. Ah mais moteur c'est quoi ? C'est le moteur graphique ? C'est le moteur graphique, genre ? Parce que je pense, histoire et gameplay. On vire moteur, on fait un commit. On peut faire un commit, hein. Histoire et gameplay, vas-y les gars. Moi je vous suis. Moi je vous suis, j'ai envie de vous suivre. On est novateur. Age of Bizo, c'est pas mal en vrai, hein. Moteur, c'est quoi ce moteur graphique ? Ok, d'accord, on est d'accord. 0,50, 100, là. Mais... Dites pas de cheat. Parce que sinon, si vous avez déjà joué, me dé pas trop. Tu vois ce que je veux dire ? Me donnez pas les tips qui font réussir. Moi, j'ai envie de réussir par moi-même. Avec vous. Les récentes études de marché montrent que les ventes de Govodor dépassent régulièrement celles de ses concurrents dans le secteur des PC. Les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux, sa plus grande disponibilité et la meilleure flexibilité de sa configuration matérielle en comparaison des autres ordinateurs. Ah bah, du coup, on n'y est pas allé, quoi. Ah. Les experts prédisent que ça pourrait sonner le glas des constructeurs concurrents. Bah, du coup, moi, je suis sur PC, quoi. Je retirais. Il s'est vendu à 4400. Eh, c'est pas mal en vrai, hein, pour Five Nights at Bizo. C'était. Stop HRP, pas mal. Design du niveau. Non, non, bah du coup, non. Intelligence artificielle. Dialogue. Intelligence artificielle en boost ou dialogue ? Dans un RPG, les dialogues, oh, c'est pas mal quand même. Après, l'intelligence artificielle, ça fait beaucoup, quoi. L'inverse plutôt, plus de dialogue et moins d'intelligence artificielle. Les dialogues, vous avez l'air de kiffer les dialogues. Moi ça me fait chier les dialogues, hein, dans les jeux. Hein. Intelligence artificielle c'est quoi après ? C'est les PNJ et tout ? Fuck l'IA, PA. Ah mais imagine, un peu de design, il faudrait quand même un peu de design. Hein. Moi je suis d'accord que zéro design... C'est quand même un jeu médiéval. Il faut un peu de design. Les graphismes dégueu, c'est pas... Ah, je suis d'accord. Alors l'IA c'est naze. C'est vrai que le level design c'est bien, hein, dans un RPG. Vas-y, on fait l'inverse. Oh là là, l'erreur. Erratum. On met un peu de design du niveau quand même. Parce que là il faut rebooster un peu de... Le jeu est pas dégueu, on est en avance sur notre temps, on est sur PC. Il faut qu'il pense à ça. Allez. Hey ! Là il y a du Puntos. Hein. Bah là on met tout. Hein. Design du monde. Et là c'est le moment où je mets full graphisme. Mais je comprends pas le moteur niveau 1. Dialogue c'est naze. Ah c'est pour l'histoire, les gens l'achèteront pour ça. Moi je vais mettre le son, on s'en fout. Hein. Design du monde. Le son dans un RPG, moi je suis désolé, je m'en fous. Ouais, je vous le dis. Vous êtes pas content ? C'est la biseau futée ici, ok ? Là c'est la biseau futée, mon pote. Il faut le design du monde. Ça sent la fermeture de biseau futée. Oh non, pas tout. Non, mais là j'avoue que si le jeu bide, c'est fini. Terminé. Nouveau record. Pas mal. Nouveau combo. Là, ça, c'est l'expérience qu'on prend. On a pris pas mal d'XP, quand même. Hein. On a pris quand même pas mal d'XP. Son important pour l'ambiance du RPG. Ouais, mais le son, c'est la base d'un RPG. La musique, c'est important. Mais tout est important. C'est-à-dire que si t'as...
si ton personnage dans le médiéval, c'est lui, mais qui a un putain de son, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux. Oh, en garde. Oh. C'est des baguettes de... papier des baguettes. Et moi, je prends Mass XP. Hein. On le publie. Age of Bizo, j'ai envie de le publier. Je suis à moins 2700. Surendettement. T'es à moins 2K, by the way. Les premières critiques. Et là, faut pas que ça fail. Si ça fail, c'est fini. Pam... Oui. Eh, Age of Bizo. Non. Toi, t'as toujours été un connard, toi, hein, Form Gamer. Là. Allez, un 8. 8. Expérience agréable. Ils ont kiffé. 7. Yes. L'accent mis sur la partie gameplay a très bien servi sur ce jeu, bien sûr. Vous, ce que vous voulez, c'est jouer, vous. Vous êtes des gamers, vous, les gars. D'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Ninvento projette de se lancer dans sa prochaine console de jeu. Ninvento est connu pour le jeu d'arcade à succès Dinkei King. Ah, c'est... Ah bah c'est Thierry Henro, hein, ou c'est Zinedoun, Zinedoun Zinad, c'est tous les trucs comme ça, quoi, là c'est Dinkei King, quoi, c'est le plaisir de ces jeux. De nombreux experts issus du milieu de l'industrie ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeux décollent, mais nous avons hâte de voir ce que Ninvento va nous sortir. On n'a pas envie d'y aller tout de suite. Ouais. Hein ? J'ai fait 52 000 ventes ? Ah non, ça a fait 52 000 de thunes, pardon. Excusez-moi, grid. Mais 7600, c'est ultra bien. Et on a 59 fans. Pas ce qu'ils foutent, mais... A établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 10K exemplaires vendus. C'était une étape importante merci dans l'histoire de Bizo, putain. Mais, bonne. Mais merci, très bien timé. Tellindil, bienvenue à toi, mon pote. Merci beaucoup. C'est, tu vois, c'est un moment important de Bizo futé. Et on est en train de baisser quand même dans les charts, là. À 47, là, c'est foutu, là. On a des fans. On chope des fans. On a 135 fans. On a fait un putain de jeu, les gars. 59 fans sur ta page Facebook. Bisous futé, j'avais pas vu. Merci la gueuse. Putain, on me l'avait jamais dit. Trop content, bah, j'avais fait. Oh, Deadpool, bienvenue, mon cher. Voilà, on fait un rapport, on fait quoi? Ça sert à quoi, le rapport? Fais un rapport, ok. Oublie de faire un rapport. Cool, mec, on a gagné 100 000 boules. J'ai 122 000 boules. Mais c'est ouf. Tout à l'heure, vous me disiez que j'étais en négatif, limite. Allez, continue à vendre un peu, là. Aujourd'hui, Ninvento a confirmé les récentes rumeurs et a annoncé son intention de sortir une console de jeu, la console équipée d'un lecteur de cartouches et d'une manette au design unique. Vous avez fait le coup avec la Switch, hein, les gars. 30 ans après, on est sur les mêmes, quoi. C'est chaud, vous avez jamais changé. Notre analyse post-publication de Age of Bizo est « Medieval et RPG est une excellente combinaison. Son semble peu important pour ce type de jeu. » Hein ? Je vous vois ? Correspondance plateforme, genre PC, RPG, bonne. Jeu retiré du marché. Il s'est vendu à 21 337 exemplaires. 150 000 de recettes. Premier buzz pour Bizo futé. Bon, on va rechercher, là. On fait quoi, un moteur de jeu personnalisé ou nouveau thème? Le nouveau thème, ça va te proposer les mêmes que tout à l'heure? Je sais pas. J'hésite. Continue à dire que la musique du Final Fantasy pleure dans un coin. Ouais, mais tu vois, à l'époque, t'avais pas Age of Bizo 2. La même chose, genre exactement. Moteur de jeu. Je suis con, j'ai pas les points de recherche. En vrai, est-ce qu'un jeu de simulation dans une prison? Moi, j'ai envie de faire un jeu de simulation dans une prison. Clash of Bizo. Stop le tuto. Non, mais là, c'est le jeu. En fait, juste le tuto, c'est au début, ils te mettent des petites pancartes pour t'aider. Là, ensuite, après, t'es tout seul, quoi. Moi, j'aurais bien pris prison, simulation dans une prison. J'ai envie de tenter. Un peu The Escapist, tu vois, avec un peu... Bizo break. Merci. Oh, j'ai des fans de Patrick et Daniel Klug. Greenheart Game. Salut, P.A. Bizo. Salut, ma gueule. Salut, Pat. Salut, Dan. Nous sommes les créateurs de Game Dev Tycoon et nous voulions vraiment te remercier d'avoir acheté ce jeu et de nous avoir aidé. Game Dev Tycoon est le premier jeu, ça représente beaucoup. Ouais, c'est le moment. C'est génial, merci beaucoup, amuse-toi bien. Bah, merci, Pat et Dan. Oh, Pat et Dan. Pat et Dan, pourquoi pas? Pat et Dan qui se glisse, quoi. Pat et Dan qui glisse leur petit mot. C'est pas mal. Bizo break du coup. Libérer Bizo. Non, Brice. Brice bat. Oh là là. Développer merci un nouveau la jeu. Bienvenue à toi, bonne. Tout Iwoki.
Twee Wookie, merci beaucoup. J'ai cru avoir une idée originale avec Biso Break et 10 personnes en même temps. Mais c'est pas grave, au moins c'est positif. Biso Break. Thème, prison. Genre, simulation. Plateforme, bah le PC, hein. Tu vois, genre là, il y a une question sur la simulation. Je pense que le PC et simulation, ça va ensemble. De toute façon, moi, je pense qu'on reviendra plus jamais sur le reste. On est des mecs PC, on fait des jeux. On a des fans qui nous ont kiffé sur le PC. Orange is the new Biso. Orange is the new Biso, c'est pas mal. Biso Break ou Orange is the new Biso? Non, c'est trop long, Orange is the new Biso. Non, non, c'est trop long. Désolé, les gars. 15 000 boules. Déjà un bug. Bon, alors là, c'est quoi histoire quête? C'est une simulation. Moi, je foutrais quand même... Le gameplay est important. Après, j'avoue, histoire. Est-ce que dans un jeu de simulation... C'est quoi, genre, Football Manager, c'est une simulation? Simulation en 2D, c'est pas ouf. Moteur, le moteur, c'est important. Hein. Faut se sentir dedans. Moi, j'aurais foutu ça. En gros, faut mettre 100, 50 et 0, en gros, dans les trucs. On s'en fout de l'histoire. Ouais, moteur et gameplay, hein. Un peu d'histoire. Ouais, tiens. Ah, je t'en glisse. Tiens, t'auras une petite quête, toi. T'auras une petite quête annexe, toi. Une petite quête que pour toi. Voilà, je te la mets. Je vois que tu voulais. Histoire en Zef. Non, il a droit à sa petite quête. Il a sa petite quête annexe. Il demandera la quête au PNJ. La quête, c'est tu dois aller dans la laverie, laver tous les vêtements des prisonniers. C'est genre, ouais, truc de ouf. Bon, dialogue. Simulation, tu sais, je me vois dans ma prison, là, clac. Tu joues sur PC ou mobile? Pour l'instant, on est sur PC. On n'a pas choisi le... Non, toi, tu demandais le vrai jeu. Ah, mais toi, tu nous perturbes. Parce que là, on est déjà dans un jeu qui crée des jeux. Moi, je crée des jeux sur PC. Le jeu auquel on joue, il est sur PC aussi. On est... Bon, design, c'est important. Bon, dialogue avec l'histoire, c'est de la merde, donc on va foutre ça. Est-ce que c'est mieux... On fout le full moteur et tout, quoi. Le PNJ est quand même super important. Parce que même pour les gardes et tout. T'as imaginé, IA full de ouf. Moi, je mettrais limite plus d'IA que de design. Là, c'est le moment où... Tu sais, va falloir brain les gardes. Après, si tu brain les gardes et que les gardes ressemblent à... J'aime pas trop que tu mettes à zéro. Ah ouais, bah tiens, un petit peu de dialogue. Voilà, je te glisse un petit peu. Full IA, ouais, IA, je pense. Quête annexe, libéré, Biso. Moi, je pense que t'en es bon là-dessus. Design, je suis là après. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ok. Graphisme, là, on est à full balle. Le son, putain. Mais design du monde, c'est quoi le design du monde? C'est quoi la différence entre design du monde et graphisme, pour vous? Le design, c'est une prison. Ah bah, ta cellule de prison! Tu veux te sentir vraiment dans ta cellule de prison? Sinon, son zéro. Bah, le son, c'est vrai que... Après, c'est une simulation. Il a raison, il faut du son dans une simulation, c'est l'ambiance. J'avoue que le son, c'est l'ambiance. L'ambiance est très importante. Design, c'est le décor. Ah, ok. Et graphisme, c'est les persos? Ok, d'accord. Bah, moi, je mettrais... Le son est important, quand même. Level design. Ok, d'accord. Design du monde, la carte, graphisme, c'est clair. Ah, ok. Oui, pardon. Oui, ok, si. Oui, c'est l'ambiance. Ok, je vois. C'est le level design de ce qu'est-ce qu'il y a sur... Je sens l'expert des jeux vidéo. Alors, je me tâte là. Vous avez pas trop d'idées. Hein. Un peu de son pour l'ambiance. Je mettrais un peu plus de son quand même. Comme ça, design full. Non mais le design du... Les graphismes sont quand même importants pour l'époque. 100 design, 0, 50 grains. Le son, ça met le suspense. Mec, ouais, moi j'aurais mis un peu plus de son. Hein. J'aurais mis un peu plus de son. Hein. Coucou Demi, ça fait longtemps. Coucou! Un peu plus de son, ouais, je suis assez d'accord. Et... Plus de son, ouais, moi, on fout ça. On part là-dessus? Faut une belle prison. Plus de son, mec, tu fais quoi? Joseph graphisme. Je sais plus quoi. Il faut une... C'est vrai que s'il faut s'en échapper, que c'est une simulation, il faut un bel endroit. Global, tu sais, genre, il faut par exemple... C'est vrai que si c'est pas profond, c'est-à-dire que les personnages sont beaux, mais il n'y a pas plein de pièces, il faut plein de pièces. Je vais mettre graphisme comme ça et son comme ça. C'est décidé. Je suis le chef de Biso. Oh, bonjour, je suis Caroline Richard, du journal local. J'ai entendu des rumeurs comme quoi vous travaillerez déjà sur votre prochain titre et j'aimerais vous interviewer après à ce propos. Auriez-vous un peu de temps à m'accorder? Oh, bien sûr, Caro. On passe dans les locaux de Biso Futé. Oh, c'est super sympa en plus, on a une petite caisse. L'interview sera publiée
Ah, ça y est, c'est fait là? Une startup locale tente de se faire un nom dans l'industrie vidéoludique. Elle a déjà publié 2 jeux et travaille d'arrache-pied sur son prochain projet. Son fondateur Pizza nous a. Pizza, j'ai nous apprend que son prochain jeu sera de type prison simulation. Un genre inédit pour la société, c'est une bonne chose que de voir des petites entreprises tenter de percer dans de nouvelles industries. L'équipe journal adresse ses encouragements à Biseau Futé. Avec Aro, hein. On demande qu'on n'est pas sur Emily Is the Well. Hein. Développer un super jeu n'est pas la seule clé du succès. Il est essentiel de faire du battage médiatique pour s'assurer que les joueurs sont impatients. Bah, bien sûr, on chauffe la foule! 169 fans! Des mecs en cri! Qui hurlent! Des fumigènes! Au début de votre carrière, la hype naîtra d'événements aléatoires. Et ensuite du marketing. Mais t'inquiète pas que le marketing, on va arriver sur du marketing solide. Il y a peu de points. On a très peu de points, c'est de la merde. Comment on corrige les bugs? Nivento a sorti... Putain, ils sortent leur... ils sortent leur jeu. Engouement 6. Coup de la merde, hein, j'ai... Ah, encore un bug? C'est bon? Terminé. Je sais pas si... Les bugs, j'ai corrigé les bugs. Nouveau record. Nouveau record en technologie. C'est peut-être un peu nouveau, tu sais. On a eu un article. On a eu un article dans le journal. Je pense que Bizobreak est obligé de sortir maintenant. Attends un peu, tu vas gagner d'autres points. Ah, faut attendre un peu. Je publie. Oh non, on fait un bide. Oh, on va avoir une mauvaise note. Ah. Allez, 6, pas 5, pas 4. Toi, t'es un enculé, t'as toujours été un enculé, toi. Oh, marrant par endroit. 6. 6. Bizarre, mais bon. Ah, mais on est nouveau. On est les Biseaux Futés! Prison et simulation font une superbe combinaison, bien sûr, All Games! T'es en prison et tu simules! Incroyable! Oh non, ça fait peu de ventes, ça. Ah, c'est un bide. C'est un bide. On chope quelques fans. Je viens juste de terminer Biseaux. Travail sous contrat? Votre talent m'impressionne, mon travail consiste à conclure des contrats et nous pourrions utiliser vos compétences. Vous êtes un peu plus à court de liquide, dites-le moi et je vous verrai si vous avez du travail. Ouais, je prends quelques contrats. Pour voir les contrats disponibles, faire un message et appuyer n'importe où sur l'écran. Je peux me faire des petits contrats, trouver un travail sous contrat. Pas mal. Ça va, il me reste des sous. Il me reste 80 000, j'avoue. C'est quoi, trouver un travail sous contrat? Quelques points de recherche. Moi, je pense que là, on fait un gros jeu. On met full. On met le paquet. Moins 5K. 5 semaines, créer une animation de logo. Oh lolo, je peux faire ça, moi. Oh lolo, je veux créer des jeux, moi. Rapport, ça... Merci, j'allais oublier. Non, Biseau Break, énorme bide. Hein. Énorme bide, Biseau Break. La sortie de Age of Biseau 2. As-tu vous pensé? Oh non. Oh, je sais pas. En fait, j'aimerais bien avoir 50 points. Nous avons obtenu le résultat suivant. C'est une excellente. Prison et simulation. Ah, putain, on a bien fait de mettre de l'IA. Correspondance, plateforme, genre PC, simulation, excellente. On n'a pas été mauvais, mais ça n'a pas fait beaucoup de ventes. Hein. On avait fait 10 000 pour l'autre. On perd des sous avec. On perd des sous. Hein. Après, on chope quelques fans. On se fait connaître. Pas tout de suite, Ouais, je pense que c'est un peu tôt. Bon, développer un nouveau jeu. J'ai le seum, mais il manque 3 de... Développer un nouveau jeu. Bon, attendez, je cherche un nouveau genre. On recherche un nouveau genre. Putain, tu vois, le moteur de jeu personnalisé. On doit refaire un jeu, et du coup, ça nous fera passer à 50. Évolution. C'est quoi, un rythme? Dans le thème du rythme? Simulation de chirurgie? Faire recherche. Bah, c'est pas ouf, hein. Arrête de chercher des gens. Moi, je pense qu'on t'empaule 50, hein. Contrat pour tes 4 points. Fais un contrat. Vous voulez qu'on fasse un contrat? Vas-y, on va faire un contrat. Et ensuite, on envoie, on fait un... Oh! Ensuite, avec le contrat, on fait du coup de la recherche. On va faire ça. C'est bon, c'est fait. Ça me fait gagner des points de recherche, hein, le contrat. Rhythm, c'est Guitar Hero. Ah, ok. Oh, j'ai zéro rythme. On va pas faire ça. Hein. Le personnel a besoin qu'on lui apprenne à se servir de technologies modernes. Et je vais prendre des points là-dedans. Vas-y, acceptez. Faut faire quoi, du coup? Ah, mais c'est ça, le contrat?
C'est quand même assez... Ah ouais, là, j'ai pris des thunes, là. Ah ouais, c'est... Ça donne de la recherche. Le contrat, le client m'a appelé, vous êtes honoré, vous avez honoré le contrat. Habituellement, j'ai de nouveaux contrats tous les 6 mois, alors revenez dans quelques temps. Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, là, il nous en reste 2, si je dis pas de bêtises. Voilà, il nous en reste 2 et qu'on pourra faire et qu'on spammera. Ok, nouveau genre ! Recherche, moteur de jeu personnalisé, les gars. On est parti. On va créer un jeu de ouf. On va envahir le marché. Ça y est, c'est décidé. Moi, je pense qu'il faut peut-être qu'on parte sur l'autre truc que le PC. Hein. Parce que... Il y a beaucoup de parts de marché, ça coûte cher, mais... Vous avez recherché avec succès moteur de jeu personnalisé. Vous pouvez maintenant créer votre propre moteur de jeu. Ah bon ? Créer un moteur de jeu. On fait ça ? Ça coûte cher, eh. Oh, ça coûte cher, eh. C'est... J'ai le seum d'avoir mis du temps pour ça, quoi. Ça coûte des sous, bah ouais. Histoire linéaire. Après, le moteur, c'est que là, on peut sauvegarder. Déjà, si on peut sauvegarder... C'est pas mal, trop cher. On fait pas, on met pas un peu de sous pour juste pouvoir sauvegarder ? $50,000, bah ouais, putain, faut que ça soit vraiment le nouveau truc, quoi. Ouais, on fait un nouveau jeu et après on le fait, je suis d'accord. Extrêmement d'accord avec vous. Bon, alors on a plus tant de choses que ça. On a chirurgie, transport, loi qu'on n'a pas fait encore. Et dans différents genres. Est-ce qu'il y a une nouvelle plateforme ou pas ? Ah, il y a la TES. De la licence. Mais c'est une arnaque. Elle a perdu masse. On peut faire un jeu de... Après, en fait, le truc, c'est qu'on peut faire de la simulation dans tout. Dans le transport, en chirurgie, tu vois, genre... Bon, vas-y, on va faire chirurgie. On va faire chirurgie et on le fait dans quoi ? Action, simulation, on va refaire de la simulation ? Aventure ? Aventure chirurgie ? C'est pas trop action, quoi, c'est un peu aventure, simulation. Je pense qu'on va le faire sur PC parce que c'est le moins cher. Hein. Les autres sont trop chers pour nous. On est obligé un peu d'être... Ça va être un flop. Excuse-moi, tu penses que Bisou Anatomy va être un flop ? Je vais tout de suite me mettre au fond de masse. Horreur aventure. On a déjà fait ça. Bisous patient chirurgie. On est obligé de faire simulation, quoi. Du coup, on reperce dans la simulation. On peut, hein. Bon, allez, on va refaire. Oh non, je l'appelais jeu 4. Oh non. Comment on l'appelle, lui ? Docteur Bisou. Docteur Bisou Maboul. Ça s'appelait déjà Docteur Maboul. Docteur Bisou Maboul. Bisou Maboul. En fait, Docteur Maboul, c'était marrant parce que c'était... Là, vous rajoutez un mot au milieu. Du coup, vous avez gâché le... Bisou Maboul, c'est très très nul. Hein. Moi, je pense qu'il faut faire du fanservice. J'ai 205 fans qui vont l'acheter, le jeu. Attends. Bisous, passion, chirurgie. Moi, je pense que bisous, passion, chirurgie, Tu sais, c'est comme l'Alexandra Lederman, hein. Moi, ma sœur, elle a acheté Alexandra Lederman, Lave le cheval, Alexandra Lederman, donne du foin au cheval, tu vois, c'est genre... En mode texte, bah, tu vois, pour 5000, en fait, avec ce qu'on a, autant le faire en 2D, quoi. Bon, pareil, chirurgie, simulation, on va tenter quelque chose. Ah, on n'a pas pris beaucoup de points. Pareil, on va le faire comme ça. Hein. Là, c'est vraiment le jeu, ça va peut-être être un bide. Hein. Alexandra Lederman, c'était bien. Putain, c'est un succès de ouf. Les ventes dépassent de loin toutes les prévisions. Comme en témoigne un consommateur, j'adore les jeux sortis sur la TES. Et jouer avec une manette est tellement plus amusant que jouer avec un clavier. Oh là là, le PC va bider, là, du coup. Hein. Ah, par contre, ça va en prendre du point, là. Au fur et à mesure des rapports, vous commencez à avoir un aperçu sur le développement et en prendre davantage parce qu'il fonctionne bien. Ces idées sont présentées comme des notes sur l'écran de développement. Ok. Les notes vont de plus à un moment et montrer l'importance d'un secteur pour un type de jeu. Ça signifie que vous avez des idées du jeu dans le même genre, mais que vous n'êtes pas sûr que cette combinaison soit bonne. Ah, ça c'était bien, ça. Line audit, plus. Bistouri. Ah, c'était pas mal, mais... T'aurais dû tenter la console, mais c'était super cher. Hein. C'est un flop, ce jeu détruit-là. On peut le détruire à la fin. Vas-y, on le fait vite, et si c'est de la merde, on le détruit. Mais après, tant qu'il y a des points, je crois que du coup, c'est pas forcément un flop. Hein.
Ah, bisous, Passion Chirurgie, ouais, c'est original. C'était les Léa Passion, putain. Ça, c'est... Mais c'est jeune, quand même. Enfin, c'est... Bon, là, il faut full graphisme. Hein. Et... Le son... Le son, on en met un peu, mais... Détruis pas, ça coûte. Ah, ça coûte. Bisous, feel good. Graphisme à fond. Zéro son, je pense. Hein. Je pense comme ça, c'est pas mal. Inverse. Avec design du monde et son. Après, design... Ouais, en fait, je vois pas la gueule que pourrait avoir notre jeu. C'est surtout ça. Je vois pas la gueule que pourrait avoir notre jeu. Ouais, c'est vrai que le design est pas ouf, quoi. Simulation, chirurgie. Si, c'est un hôpital. T'es quand même dans un hôpital, tu vois, imaginons. T'es quand même dans un hôpital. Il faut un bel hôpital. Désolé, moi, c'est important. Je veux un bel hôpital. Graphisme aux F dans une simulation. Bah frère, quand t'es chirurgien... Quand t'es chirurgien, c'est quand même important, je pense. Et on prend du point, là. Ça continue ? Est-ce que si on attend, ça continue, là ? Genre là, il continue de travailler, là ? Non, c'est fini. Attends, on va attendre 10 secondes. 9, 8... Oh putain, les dépenses mensuelles. Ok, ok, ok. Expérience acquise. Nouveau record. Bon, pour le prochain, faut frapper fort, parce que là, on a des idées de merde. Hein. Non. Je suis niveau 2 partout, hein. Le prochain jeu risque d'être sale. Le prochain jeu risque d'être sale. 12-14. Nouvelle recherche disponible. Didacticiel son mono. Didacticiel, c'est pas mal. Les premières critiques pour Bisous Passion Chirurgie viennent d'arriver. De la merde, comme d'hab. Vous détestez mes jeux, de toute façon. Eh. Sorti nulle part, le Bisous Passion Chirurgie. Eh, dis donc. Sorti nulle part, le Bisous Passion Chirurgie. Il a été décrié dans le chat. Vous l'avez pas aimé, celui-là? Et voilà, triple 7, quadruple. Incroyable. Allez, les thunes, là. Venez, voilà, regarde ça un peu. Regarde ça, cette première semaine de vente. 48 fans, 21e rang. Edge of Bisous 2. J'ai envie de faire Edge of Bisous 2. Afin de devenir des références dans le genre. J'ai envie de faire Edge of Bisous. Nouvelle recherche disponible, ciblage du public. Il faut cibler. Déjà, on fait un rapport sur le jeu, toujours. Vous m'avez fait comprendre ça. Toujours un rapport sur le jeu. N'oubliez pas de créer vos propres moteurs de jeu, ils aideront grandement. Là, j'ai des thunes. Hein. Les gars, je vais exploser le marché. Ah, mais il me faut 50. Ah non, je... Attends, mais je peux le faire, du coup, le truc que j'ai fait tout à l'heure, ou j'avais fait pour rien? Chirurgie et simulation. Graphisme, ça va être très important pour ce type de jeu. Merci à tous. Je vais pas faire de suite. Moi, c'est bon, là, je vais commencer à me lancer, là. Je vais créer un moteur de jeu, déjà. Je le crée. Je le crée. Vous êtes en train de créer votre propre moteur de jeu. Ouais, ouais, je le fais, mec. C'est Edge of Bisous 2. Suite à l'immense succès de la TVS, la rumeur circule que Vena, une autre entreprise japonaise, pourrait sortir sa propre console. Ouais, ils vont se marcher dessus. Et pendant ce temps, Edge of Bisous 2. Ah non, pas de sauvegarde ici. Graphisme en 2D, mon pote. Graphisme en 2D V2. Non, non, non. Fallait tout prendre. Et la sauvegarde, il a oublié la sauvegarde. Ah mais on peut pas... Là je peux pas refaire là. Il a niqué sa game. La sauvegarde c'était pas mal. Ah, je ne peux pas tout prendre là. Je ne peux pas... rechercher là. Là si je fais créer un moteur de jeu. Mais voilà. Qu'est-ce que vous me dites là? Oh, je suis trop con. Je suis vraiment un connard. Oh je suis con. Ah ouais, je suis con. Ah ouais, non, si. Bah du coup, ouais, là, je suis con. Bon, dans Edge of Bisous 2, on pourra peut-être pas sauvegarder. Peut-être que t'as... C'est possible. Bon, c'est pas le meilleur. C'est pas le... Eh, c'est comme les... Le Edge of Bisous, le 2, il était pas ouf. Par contre, le 3. Le 3, quand on pourra sauvegarder. Vous vous souvenez? Quand on pouvait sauvegarder. Il y avait même le multijoueur sur le 3, si je dis pas de bêtises. Bon, attends, on a fait quoi, là? On a fait Bisous Passion Chirurgie, c'était solide. Bisous Break, bof. Edge of Bisous. Oh la vache. Putain, ça m'a... Medieval RPG. 6,75. Hein. Lui a été noté combien? 5,5. 7. Ah, mon meilleur jeu. Attends, mon meilleur jeu, c'est vraiment Bisous Passion Chirurgie? Ah ouais. 2,5. Oh. Edge of Bisous, tous les jours, tu recommences le level 1. On crée un nouveau jeu. J'ai envie de faire Medieval et...
stratégie. Je suis enflammé. Edge of Bizo 2. Plateforme. Le PC, hein. Je pense que le jeu de stratégie est Medieval Strategy. Moteur 1. Fais-le sur TES. Le nom. Ah mais le TES, ça coûte 120 000, gros. Coût de dev 20 000 et coût de licence 80 000. J'aurais pu le faire. Recrute des devs. On peut ? RPG. Pourquoi RPG ? On change un peu le style. Je pense stratégie, c'est mieux. Moi, je pense on fait stratégie, PC. Médiéval. On change un peu. Tu vois ? Quelqu'un dit que je pouvais faire des sorties officielles. Stratégie, toujours sur PC. Bah ouais, mais... Moi, je pense que c'est... Oh merde, j'ai changé le genre. Stratégie. Eh bah là, on se met... Ah, ça recoûte des thunes ! Ça recoûte des thunes, là, du coup. Oh, ça va être un bide. Oh, c'est un bide, on a pris que 2 points. Oh, j'ai plus envie de continuer. J'ai plus envie de continuer. Bon. Oh, je... Stratégie. Il faut full gameplay. Il faut de la quête. J'aurais mis ça, moi. Gameplay. Oh. Oh, le gars hésitant. Oh, le gars hésitant, quoi. Il fallait la sauvegarde. Ça, on a compris. On l'a pas. Il a merdé. Il a loupé la sauvegarde. Il savait pas coder la sauvegarde à l'époque. Il savait pas. Eh ben, on fait avec. Histoire quête. Dans un jeu de stratégie. Non, on s'en bat les couilles dans un jeu de stratégie. C'est compliqué de savoir ce qu'on veut exactement, quoi. J'ai acheté un nouveau moteur. Bah ouais, j'ai acheté un nouveau moteur. Tu me le spammes, toi. Me le spammes pas. Pourquoi tu peux pas remettre la sauvegarde? Parce que j'ai misplay. Ne m'en parle plus. C'est ça. Ne m'en parle plus. J'ai misplay. Moteur full. On a déjà la puissance du moteur. Pas mal, là. On a pris du Puntos, là, quand même. Intelligence artificielle. Bah, en vrai, là, c'est le moment où l'intelligence artificielle doit pas être dégueu, quoi. Stratégie. Y'a pas de dialogue. En fait, moi, j'imagine le jeu de stratégie. Y'a pas de dialogue dans mon jeu de stratégie. Parce que l'intelligence artificielle, c'est important. Enfin, moi, je vois quand tu jouais. Prends pas histoire et quête si t'as pas de sauvegarde. T'es pas con, toi. Toi, t'es pas con. T'es pas con. Intelligence artificielle. Parce que quand tu joues contre des mecs, c'est super important que les mecs soient forts. L'IA est super important. Je pense que l'IA est super important dans la stratégie. Le dialogue... Ouais, on va foutre ça comme ça, je pense. En design avec... En fait, dialogue. Parce que moi, je vois genre... Parce que Age of Bizo, je le vois en Age of Empire, tu vois. Je vois genre, tu fight et t'as pas le moment où tu t'arrêtes. Ouais, yo. Si, il y avait ce moment, quand même, où les mecs, ils parlent. Tu sais, ils disent des phrases dans le chat. Ouais. Pour les teutons. Genre, ils disent toujours des trucs... Je suis Attila le 1, tu vois, genre t'es en mode ouais, vas-y. Aujourd'hui, Vena a confirmé les rumeurs récentes. Ah, nouvelle console. Elle a annoncé la Master V. L'entreprise affirme que la Master V est techniquement supérieure à la TES de Nintendo. Ninvento, pas loin. Je pense qu'elle va bider celle-là. Moi, je pense qu'elle va bider celle-là. C'est bon lolo. Stratégie, c'est Hearthstone. Bah ouais. Les tétons, dans les teutons, mais Mister V, ouais, pas mal la console. Bon, du coup, design du monde, super important. Le son, médiéval, stratégie. Ouais, petit, foutu un petit truc comme ça, quoi. Le truc, c'est graphisme, on a un nouveau modèle de graphisme. Fuck les graphismes. Ah, on a quand même mis pas de dialogue, pas de son. 150, un peu plus de son, peut-être, quand même. T'aurais pas dû faire de suite. Mais mec, j'aurais 20 fois dû faire une suite. 20 fois. 20 fois dû faire... Ah, il me faut quand même un peu de graphisme. Ça sent le bide. On a tout poussé à fond. Moi, j'ai tout poussé à fond. Bon, ouais. C'est Edge of Bizo 2. Voilà. Voilà, c'est Edge of Bizo 2.
Il y a tout au max dans Age of Bizot 2. C'est que du kiff, Age of Bizot 2. En vrai, c'est pas mal. Hein. On n'a jamais eu autant, quand même. Mais tu as une amélioration suite, t'as aucune hype, là. Ah, splendide. Mais... Et regarde ça un peu. 161 puntos, là, mec. 161 putain de puntos. Allez, hein. Faites pas un bide. Hein. Les premières critiques pour Age of Bizot 2, notre dernier jeu vient d'arriver. Allez, s'il te plaît. Toujours un enculé, toi, 7. Yes, c'est pas mal. Un petit 9. Putain, yes. Putain, c'est plus Bizot Passion Chirurgie, notre meilleur jeu. 9. Alors, vous voyez, putain, je suis trop fort. J'ai un don. J'ai un don. Allez, vas-y, envoie les ventes, là. Age of Bizot 2, mon pote. Age of Bizot 2. Balèque de ta sauvegarde. Les gens veulent juste Age of Bizot 2. Ils vont passer la nuit dessus. On va foutre un DLC, là, bientôt. C'est annoncé. 300 000. Je suis bientôt millionnaire. Vena a sorti la Master V. On va peut-être créer un jeu sur Vena. On ne sait pas. Non. Et là, par contre, c'est le moment où là, t'es un génie. Et Age of Bizot 2, AOB, comme on le connaît, AOB 2. Et ben le 3 va pas sortir tout de suite. On va pas faire la même erreur. On va pas faire ça. Non, pour rencontrer un succès inattendu auprès des joueurs. Un succès inattendu auprès des joueurs. Le studio Bizot Futé est un nouveau venu dans l'industrie vidéoludique, mais nous attendons avec impatience leur prochaine production. Les mecs sont comme des oufs. Les mecs sont comme des oufs. Splendid. 315 000. Continue. 333 000, continue, vas-y. Je regarde, moi. Oh la vache. Enfin, on fait un rapport, merde. J'oublie à chaque fois. Merci, 200 000. Tu es un aidron, mais tu es bien bonne. Merci beaucoup, jeune Padawan. Il y aura plus, hein. On s'y attendait pas non plus. Bah, vous voyez. Ça récemment a bouleversé le marché. Les experts de l'industrie disent qu'elle a trouvé peu de débouchés sur le marché, mais qu'elle devrait avoir du succès dans le reste du monde. Moi, j'ai envie de partir. Venez, on fait Master V. On go. Venez, ouais, on fait... Je pense qu'on fait... On go sur une console. Là, on go sur une console. Je pense que c'est le moment. On tente. Design du monde, ça doit être très important pour ce type de jeu. Correspondance, plateforme, excellente. Développer un nouveau jeu. On va sur la Master V. On go sur... 80 000, on paye. Mec, c'est nouveau. C'est nouveau, on est des pigeons. Attendez, mais du coup... Avant, on va faire... rechercher. Et je suis chaud. Oh, on peut rechercher plein de trucs. Oh, mais ça coûte des sous. Attends. On fait quoi? 40K, c'est des thunes? Ouais. Ciblage du public. Oh. TES, non, j'aime pas TES. Mais là, c'est de la merde, les jeux que je peux faire dessus, quoi. Un jeu d'enquête, il faut un jeu, on va cibler, hein. On va faire un petit ciblage. Et ensuite, il me faut des nouveaux jeux. Qu'est-ce qu'on pourrait foutre sur console? 46 000 exemplaires. 321 000 de recettes. Quel succès. Qu'est-ce que je pourrais aimer, t'es sur console? Sur console, qu'est-ce que tu pourrais kiffer? C'est quoi, genre, ville? On peut faire quoi, maintenant? Rechercher. Je vais continuer à chercher un peu, là. Là, je peux faire un didacticiel. Didacticiel, c'est pas mal, hein. Didacticiel sur console. Il me faut un didacticiel sur console. La console est toute nouvelle. Les enfants l'achètent à Noël. Ils veulent comprendre. Même les parents. Le père qui a acheté, il veut pouvoir jouer avec son fils, sa fille. Il veut pouvoir... Didacticiel. Il nous faut un didacticiel. Oh, regarde, on a eu un didacticiel. Il faut un didacticiel. Les gars. J'ai envie de faire Call of Bizot. J'ai envie de le faire. Je crois que c'est... Mais je sais pas si on peut. Alors, pour voir... Vous venez de terminer votre premier moteur. On recherche l'élément de moteur de jeu. Vous pouvez l'utiliser dans votre jeu. Ok. On peut encore rechercher. Hein. On peut encore rechercher un nouveau thème. Hein. On peut se mettre un nouveau thème. Hein. Mais non, il nous faut des jeux de guerre et tout. Ça sera après, je pense. Là, il faut qu'on développe des jeux, là. Enfin, tu sais, il faut qu'on développe des nouvelles compétences. Genre, je mets ville. SimCity égale ville. Oh, c'est chiant, c'est simulation, quoi.
Call of Bizo en 2D. Non mais là qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Ville? Vous voulez ville? Oh, ville. Non mais en fait là c'est Aurore et tout, on l'a déjà. Là je pense c'est entre les 4 et du coup quand on le refera ça nous permettra. Thème, ville, action, GTA. Enquête? Évolution? Mais évolution c'est quoi? Évolution égale sport. Bah ouais c'est un peu chiant quoi. Évolution c'est Pokémon. Pas mal. Ville c'est GTA. Vous êtes sûr? Bon. On recherche. On recherche ville. Je vous ai fait confiance. Hein. Je vous ai fait confiance sur ville c'est GTA. Enfin. GTB plutôt. Que dis-je? Nouvelle recherche disponible, Casual Games. Pas mal ça. Ça coûte cher mensuellement là, faut se dépêcher puisque. Les années de marché récentes montrent que le sont perdent lentement des parts de marché. Putain, vous avez été bon. Hein. Vous avez le truc. Hein. Vous avez terminé la recherche sur le thème ville. GTPA. Vous avez fait mieux. Que le public. Alors, vous pouvez maintenant préciser quel est le public précisément visé par votre jeu. Les jeux peuvent cibler les. Public jeune et tout public ou cibler un public averti. Ok. On va faire ville action GTA. C'est parti. Oh. Oh. Mais c'est quoi? On met public averti du coup pour GTA? GPA. Grand Pierre Alexis, c'est ça le bail les gars. Parce qu'au bout d'un moment ça va faire un peu narcissique quand même, tu vois. Genre ça va quand même faire un peu genre je me jette des fleurs, tu vois. Averti, les jeunes vont kiffer. Ouais, mais je sais pas, parce que j'avoue que moi... Averti, on se met averti. Tout public. Après, il y a beaucoup de gamins sur une console, hein, les gars. Ouais, public averti sur console, c'est chaud, hein, au début. Les mecs vont avoir envie d'acheter quand il y a des conseillers. Ouais, mais c'est les tout premiers, tu vois. Les tout premiers, le premier jeu averti. C'est chaud de... Il y a moins d'achats. On va se mettre un tout public. Hein. On se met un tout public et on leur dit pas qu'il est violent. C'est là où on est intelligent. C'est là où on a un coup d'avance sur les autres. C'est qu'on cache la drogue. On va là-dessus. La Master V. On peut toujours pas sauvegarder hein, à cause de mes conneries. Bis Zef Toto. Averti, innove. Ah, là, déjà, on est sur une nouvelle console, gros. On innove pas mal. Hein. Le nouveau moteur. Ouais, on sait qu'on peut pas... Ville fait un GTA Bizo. Gang of PA. Je sais pas comment l'acheter lui. Comment l'appeler. Quand je pense que ce soit pour GTA, pour moi c'est avec simulation et c'est du SimCity. Ah c'est genre que SimCity. Parce que ça, vous m'avez peut-être bail de ouf. Hein. Bon on va voir. 60 000 balles. Hein. Putain. J'appelle le jeu averti. Tug Game. En vrai, Tug Game, tu l'appelles. Dans la ville, sur la nouvelle console, ce sera un carton. Hein. Averti, ça va buzzer. Bon, les gars, on va porter nos couilles un peu. Ça peut bider, ça peut bider. Oh là là, ville, action. Oh là là, sur public averti, ça va être un... c'est pas mal, ça. J'étais à San Bizo. Ça avait... Oh, on met beaucoup de thunes en plus. Hein. Oh, il y a 0 points. Il y a eu 0 points, les gars. On a eu 0 puntos. Oh, ça va être un bide énorme. Oh non, vous m'avez détruit. C'est ça que vous vouliez. Putain, vous vouliez me détruire. Le moteur, ouais, mais gameplay, c'est important. L'histoire aussi, c'est important. Si on se fait chier dans... Oh, vous m'avez détruit. Oh, c'est un cauchemar. Oh, c'est un cauchemar. Oh, quoique. Attends, il y a des points, là. Il y a beaucoup de bugs, mais il y a des points. Après, on développe... Oh là là. C'est... qu'on met un peu d'intelligence parce que les PNJ c'est important quoi.
Vous avez des dialogues, mais l'inverse, il y est. Les dialogues, ça va parler, mec. Il fait motherfucker. Tu vois, t'as ton gang et tout. Je dois mettre un peu de tout. Je mettrai quand même un peu de dialogue, tu vois. Un peu moins de design, un peu de tout, pas mal d'IA. Pas mal. Et on prend du point là-dessus. Nivento a annoncé le jeu de la console Big Gambling. L'appareil sera équipé de cartouches de jeu interchangeables d'un écran. Oh la vache. Ils sont moins puissants que le PC ou de console, mais son petit prix. Putain la vache, ils sont chauds. Là, c'est notre moment là. Ça avait bien marché de tout mettre tout à l'heure. Tout mettre avait quand même beaucoup marché. Hein. Je ne veux pas vous mentir que. Le graphisme, c'est super important. Design du monde, on est obligé de. Avec le son. Le son, on met comme ça. On met comme ça. Je suis Steve. Oh, petit. Ah, pas mal. Non, mais là, en plus, c'est horrible parce qu'on va bider sur le jeu où tout le monde nous attend. On a 700 fans. Bon, vas-y, on parle. Merci de votre disponibilité. Publions l'interview la semaine prochaine. On prend des points là. Là, c'est pas mal. PlanDG a récemment publié une interview de Bizot Futé. La société est en train de travailler sur son prochain jeu. PA Bizot, propriétaire et PDG de Bizot Futé, a déclaré : nous pensons que les joueurs recherchent plus de contenu mature dans les jeux. Nous sommes prêts à prendre le risque de leur en donner. Ah putain, c'est peut-être un peu tôt. Je pense que c'est un peu tôt pour le marché. Engouement 15. C'est beaucoup, hein. Oh les gars, on y va. Vas-y, ouais, prends le point. Eh, hey, le petit point. Vas-y, reprends le point. Voilà. Il y a eu du petit point que j'ai failli pas nous mettre. Ah, j'ai peur. Là, j'ai peur. Il y a quand même beaucoup d'engouement par rapport à ce qu'on fait. La chute après l'ascension. On peut fermer là-dessus. Hein. C'est quand qu'on a de nouveaux devs et tout, d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien avoir des nouveaux devs, là. Qu'on commence un peu à se renforcer, à... Les premières critiques viennent d'arriver. Non, pas le 2, pas le 2, pas le 2, stop la gros. 5, un peu court. Ah, putain, tu peux pas sauvegarder en plus. Hein. Toi, t'es un connard, toi. Toujours été un connard. Ok, toi, c'est vraiment... Il me faut un 6 au moins. Ça y est, j'aime, yes, bien, Gamero. Toujours un peu dynamique, un peu... Sans imagination. Oh, c'est vrai que toi, tu me sèches, toi. Et du coup, ça fait tous les ventes. En plus, Ninvento sort son... Oh, le bide. Oh, le bide. Oh, elle bide. Elle bide. Le bide. Pourquoi on a mis tout... J'aurais dû mettre tout public. Pas grave, on a porté nos couilles, au moins. On perd 30 000 dessus. Ça aurait pu être pire. Parce que putain, on a sorti quand même une belle merde, les gars. Et on s'en sort bien, vu la belle merde que c'était. Faut quand même le dire. Tranquille, là, il va rattraper les ventes. Ville et action est une mauvaise combinaison. Ça m'avait pas l'air d'être trop GTA, hein, ville. 2-3 mecs dans le chat ont dit SimCity. On était dans du bon SimCity, quand même. Là, on a fait un SimCity action. Moins de 18. C'est genre, il y a juste des options super spé, tu vois, c'est genre l'enfer. On a créé le jeu du démon, c'est, c'était pas possible. Public averti, c'est mieux sur PC. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Après, on a voulu s'inspirer de GTA, on a fait l'erreur. On a fait l'erreur, les gars. Est-ce qu'on tente pas le Casual Games? Casual Games sur la nouvelle console, là. Sur la console portable. Oh, beaucoup de sous, moi aussi. Hein. Casual Games sur la nouvelle console portable. Il y aura une rediffusion. Il y a toujours des rediffusions. Domingo Replay, ça y est, maintenant, je vais restreamer un peu, quoi. Ça va, on sait que ça a été un bide, ça. Enlevez-le-nous. Combien de fans? 762. On a gagné 0 fans. L'intérêt croissant pour les jeux vidéo entraîne mécaniquement l'augmentation des lecteurs de magazines traitant. Ce magazine offre aux développeurs un nouveau moyen efficace de promouvoir leur jeu en développement. Marketing. Oh putain, marketing, il faut envoyer. Il faut un nouveau moteur. Il faut un nouveau moteur, on a plus de sous, là. Splendide. Refais ton moteur et prends toutes les options. Et là, si je fais recherche, nouveau thème. Cinéma, cauchemar. Cauchemar. Oh, cauchemar, le cinéma. Oh, on fait quoi comme jeu, les gars? Nouveau moteur? Non, mais on va pas... Enfin, on peut pas.
Là, on peut pas, les mecs. Hein. Non, vraiment, on peut juste pas, quoi. On va créer un tout public. Moteur, on n'a pas le choix. Plateforme. C'est cher hein, d'investir dessus. On go sur Gameling. Contrat pour la thune, t'es pas con, toi. Toi, t'es pas con. Vous êtes pas con. Oh là, je back off. Petit travail sous contrat. Et on est parti. Et genre, il y a un truc à faire, faut cliquer pour être un peu pour l'aider. Ou c'est genre naturel? Prendre des thèmes pour en avoir d'autres après. Ouais, c'est ça le truc en fait. Là, on a perdu des thunes. Énorme. Bon, allez, on va se reperdre quelques thunes. Allez, un petit moins 5000 encore. Histoire de vraiment bien se mettre. Si vous accumulez plus d'un million de cash, vous pourrez déménager au niveau suivant. Ça peut vous paraître beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous aurez développé du jeu à succès, vous obtiendrez bientôt. Putain! Ils font que concurrencer! Ah, mais elle a l'air trop fort. Ah, mais c'est dans 2 mois. Je pense que c'est le moment, les gars. C'est le moment vite de jouer là. Les temps passent, hein. C'est trop tard. C'est fini. Le Naguère, ça pue. La Sega va chez Nintendo, hein, je pense. Hein. Yes! On doit pas de sous. Nous allons faire un virement de 27K. Non, mais gros, j'avais exactement... J'avais 120 000. Ils m'ont volé des sous. No joke, ils m'ont volé des sous. J'avais 120 000. J'ai perdu 6 000, il me refile 20 000, j'ai 127 000. Ah, ça y est, Venagir est sorti. Bon, au moins, c'est bien, je la sors pas quand je fais un... Ça nous coûte de l'argent, je suis con, parce qu'il y a l'argent... Oui, je suis con, j'ai oublié les frais. Excusez-moi. Je m'excuse. Mes excuses, les plus plates. Bah, du coup, 140 000, on peut toujours pas créer le moteur. Mais au moins, on a fait du contrat, les gars. Au moins, on a bossé du contrat. Non, déjà, attendez, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un... Rechercher, on va prendre un nouveau thème. On va prendre enquête. Allez, on s'en fout, on fait enquête. Au moins, ça sera fait. Là, il nous faut des sous, hein. Putain. Moi, je repense juste à Edge of Bizo 2. Ça me fait un petit pincement au cœur, quand même. Je vais terminer la recherche sur le thème enquête. Et là, ce qu'on pourra faire la prochaine fois, c'est... Ah bah, on peut pas voir ce qu'on aura. Bon, du coup... Qu'est-ce qu'on se fait? Les point and click. Ok. Développer un nouveau jeu. On le fait sur quoi? Professeur Bizo. Professeur Bizo. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Professeur Bizo. Professeur Bizo, tout public. Sur Game Boy? Enquête. Mais du coup, tu le mets en quoi C'est aventure? C'est quoi, genre, du point and click? RPG? Je sais pas comment ils le considèrent. Et est-ce qu'on se met surtout sur la gameling? Aventure? Ouais. RPG, c'était un peu... Non, c'est pas casual, les gars. On se met sur la gameling? Venagir, elle me tente pas trop. Ils ont moins de parts de marché, donc en vrai, y a pas d'intérêt de le faire maintenant. Même si le truc vient de sortir. Gameling? Bon, allez, gameling. On a pas tenté Nintendo encore. On va découvrir Nintendo. Tout public. Oh la vache, le prix. C'est important de mettre autant de thunes. PC. Vous voulez PC? Rentabilise la licence que t'as déjà acheté. Pas sur PC. Là, on peut se faire PC et le prochain... Bon, quoi qu'il arrive, on a acheté Gameling, donc on devra commit. Enquête aventure. Ça va être un beat sur PC. T'as payé la licence, on s'en fout, on pourra l'utiliser quoi qu'il arrive, ça. T'as plus de thunes après. C'est bon, écoute, pral, là, vous me faites hésiter, hein. T'as déjà payé. Oh, mais ça change rien, c'est juste pour l'acheter. En fait, t'achètes le truc.
pas fou sur PC. Bon. On nous a fait confiance. Hein. Voilà, on a plus une thune maintenant. On a plus une thune. Histoire quête, full. On est d'accord. Histoire quête, gameplay. Water, je comprends toujours pas. Histoire quête, c'est full. Histoire quête, full et le gameplay. Vas-y, histoire quête, full. Moteur, ça aurait été important quand même. Il a plus de thune, putain. Ça y est, je suis foutu là. Je pense que je suis vraiment foutu là. Oh. Dialogue. Vachement important les dialogues dans les jeux comme ça. Pas en moteur. Bon, le moteur, c'est le mouvement des persos. Voilà, c'est dialogue full, design, on s'en bat un peu les couilles, et l'intelligence artificielle, quoi. Là, c'est les dialogues et IA, qui le mec... Non, y a pas besoin d'IA, en plus. Design, ouais, un peu de design. Ouais, IA, parce que c'est pas de l'IA en mode le mec te... Ouais. Voilà, on fait ça. Dans 2 mois, la GS64 sera retirée du marché. Ah ouais, putain, ça va vite, hein, quand même. C'est déjà foutu pour elle, quoi. Mais faut que ça fasse un... Que ça fasse un buzz, ça. Ok. Bon, là, ensuite, on a la phase 3. Professeur Bizeau, enquête, aventure. Le graphisme est important, mais pas non plus tant que ça. Le son. Le design du monde. J'ai jamais joué... Moi, ce genre de jeu, j'ai jamais joué à ça. J'ai jamais joué à ce genre de jeu. Pas d'IA, c'est le bide. Oh non. Son et design. Repense à Bizeau, passion, chirurgie, sortie nulle part. Je remets full bar. Je mets comme ça. Oh, on tente. De toute façon, sinon, je suis foutu, donc... Il y a des crédits et tout ou pas? Eh, c'est pas mal. En design, on n'a jamais eu autant. Là, il corrige les bugs. On rechoppe du Puntos. Peut-être un petit point de techno. Les fabricants de matériel du monde entier ont eu aujourd'hui la surprise d'apprendre que Golvodor s'est déclaré en faillite. Oh putain. On n'a pas réussi à mettre sur le marché une alternative plus onéreuse. Ah bah eux, c'est... Ah mais c'est peut-être la même pour Bizeau Futé, là. Oh, encore des points. Trop bien. Et je pense que ça... Allez, les gars. Allez. C'est notre jeu ou jamais, hein. J'ai 500... Je vais être en négatif, là. Dès que je fais OK, je suis en négatif. Oh, ce moment où... Oh, c'est le jeu qui peut... C'est le jeu qui peut soit nous relancer. Votre compte bancaire dans le rouge, heureusement, votre banque vous découvert de 100K. Attention, si le solde est inférieur, vous ferez faillite. Oh non. Première critique pour Professeur Bizeau, d'un jeu vient d'arriver. Allez les gars, s'il vous plaît. Professeur Bizeau. Peut-être que Professeur Bizeau va nous... Oui. Un 8 gros. Un 7, c'est déjà bien. Ça fait jamais de vente, ça. Pourquoi j'ai mis averti tout à l'heure, quoi? J'ai 75, on s'en fout, on a jamais aimé celle-là. Ouais. Pas mal, hein? Pas trop mal, hein? C'est pas nul! Ça buzz! Continue! Oh, c'est fini. Oh, le deuxième mois était fou. La deuxième semaine était incroyable. Eh! We are back in the game. On se fait un petit moteur, les gars. Allez, on part sur un moteur. C'est Bizeau Futé qui régale. Allez, c'est pour Bizeau Fut. Crée un moteur de... Oh, le rapport de jeu. Excusez-moi. 270 000 de bénéf. T'as joué à Professeur Bizeau? C'est pas mal, hein. Oh, putain, c'est l'heure de Edge of Bizeau 3. Non, pas encore. Évite de perdre du temps comme tu perds de l'argent. Ouais, putain, mais c'est... Ouf. Pas rigoler sur ce jeu, quoi. Aventure, vous avez été bon. Moteur semble pas être important pour ce type de jeu. Tu vois, je t'avais dit, j'ai pas mis de moteur. J'ai senti. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose là. Pas de moteur. Correspondance plateforme, genre gaming, aventure, mauvais. Eh, si j'avais fait le truc sur PC, gros. Si j'avais fait le truc sur PC, c'était incroyable. Genre sur PC, on faisait 400 000 ventes. Mais ça n'arrête jamais là, hein, les ventes. Hein. Mais je n'ai jamais eu autant de thunes. Vite, je me dépêche, crée un moteur de jeu. Full option. 120K. La big machine. On a créé la big machine. 66 000, on va faire. J'ai 1100 fans.
Professeur Bizo 2 sera sur PC. Professeur Bizo 2 sur PC? Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt, je pense, non? Sinon... Dis-le-moi vite, hein, sinon ça part tout de suite. Ça part tout de suite en prod, hein, sinon. Rapport. J'ai pas fait de rapport? Moi, tu tiltes. Oh, j'ai tout mis, moi. Tout mis, on s'en fout. Gros, j'ai failli connaître la faillite. J'étais en négatif, je suis à 300 000. T'aurais dû faire la recherche avant. Ah, c'est pas con, ouais. Trop tôt. Ah, j'ai tilt, là. La big machine est terminée. La big machine est terminée. Pouh ! Rechercher. Qu'est-ce qu'on met, là ? Nouveau thème ? C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est de la merde, voyage temporel. C'est chier, quoi. Voyage temporel, bon... Rythme. Rythme en console de salon. Rythme en console de salon. Vous en pensez quoi ? Rythme en console de salon, tout public. En marketing. Je pouvais pas, j'avais pas de... J'avais rien. Et honnêtement, rythme... Je crois que le jeu est planté. Rythme en console de salon, on se fait un Just Dance. On se fait un Just Dance, les gars. On se fait un full Just Dance. Mais on peut le faire sur quoi ? Mais développer un nouveau jeu. Tout public. Le cauchemar. C'est quoi, du coup, comme genre ? Putain. Je saurais pas dire ce que c'est comme... C'est casual ? Aventure, c'était moins, hein, sur Gambling. En vrai, j'ai envie de la faire sur la Master V. Simulation. Moi, j'aurais mis casual, quand même. Simulation, c'est un peu plus deep, tu vois. Je pense simulation et... Casual console. Je pense qu'on fait casual. Et on met sur la big machine. On se met sur Master V. Tu peux pas... Pas les bons genres. Quoi, c'est pas casual ? C'est simulation. C'est simulation ? Pas Master V. Mais c'est pas mal, Master V. Il y a 16% de part de marché. J'ai pas la TES. Il y a moins de part de marché sur la TES. Hein. Casual. Bon, vous m'avez dit casual. Et je lance, là ! Je vous trouve un peu dur, hein. Je vous trouve un peu dur, que vous attendiez pas des chefs-d'œuvre comme Professeur Bizo, comme... Bizo passion chirurgie et tout ça là. Et ouais, vous avez pas moteur, full moteur. Histoire quête, putain, mais du coup, parce que là j'imagine Just Dance. Oh là, qu'est-ce que... On m'avait dit des trucs, je suis perdu. Zéro histoire, hein, je pense. Bon, un peu de gameplay et. On tente un truc. Ah putain, il y a de la dépense, hein. Il y a beaucoup de dépenses mensuelles, hein, quand même. De toute façon, il faut que j'arrive à 40 pour du marketing. Gameplay full, hein, c'était important. Dialogue. Design du niveau. IA, c'est quoi IA dans... Il n'y a pas de dialogue ? Je comprends pas, là. Didacticiel, t'as oublié. J'ai oublié le didacticiel ? Didacticiel ? Dialogue 0. Ouais, on fout pas de dialogue, mais... T'as pas activé les options de ton moteur, gros Berlo. Splendide. Oh, jure. Je savais pas qu'il fallait faire. J'ai mis 400 000 balles. Oh non, j'ai... C'est un virus. Je me fais virus la gueule. J'ai une offre très spéciale, nos agences sont récemment parvenues à emprunter des informations sur des recherches qui pourraient nous intéresser. Si vous désirez, ces informations, vous les transférer. 48 000. Ah non, c'est 100% un virus, ça. J'ai pas mis les options. On sait ! On a misplay ! Mais c'est un vrai truc, ça, ou c'est un virus ? Ça m'a l'air d'être un virus. On va dire non. Vous pouvez peut-être être un espion. Son. Super important, le son. Pas zéro, quand même. Putain, j'ai mis... Du coup, j'ai un truc de merde. Refuse. Refuse, c'est une arnaque. Soit un virus, soit l'affaire de ta vie. Et là, en vrai, vas-y, corrige les bugs. On va gagner un ou deux points en design, je pense. En vrai, là, c'est la Kinect. Hein. Ça avait marché, la Kinect.
Ou c'était un bid. Oh putain, j'ai tenté un truc un peu original là. Son à 0, j'ai mis 100 en son. Non mais avoir les deux trucs à 0 et un truc à 100, je pense que c'est pas le bon bail. T'as pas mis tout public. Pour moi, 100%, j'ai mis tout public. Hein. On va voir. Ah voilà, on va voir. Après, j'ai pas mis... C'est pas dégueu, hein. Après, j'ai pas... Pour pas avoir mis les options, je trouve pas ça horrible, hein. On habitue quand même, nos fans à des jeux de merde. Vena a annoncé la sortie de leur nouvelle console. Ils font chier avec leur console. Ah, c'est pas mal quand même. L'Oasis est un nouveau départ. Elle sera la source d'une nouvelle génération de consoles de jeux. Nous sommes convaincus de son succès. Atteint des jeux. Ah ouais, putain, c'est pas mal. Combien de ventes? Ah, c'est 8K quoi. Ouais, c'est pas beaucoup, mais ça fait un jeu. Il y a un mec qui l'a crié « accepte pas ». C'est fini l'offre. Hein. C'est tout est... Il a un décalage, le gars. Il est ailleurs. Bon, petit rapport sur le jeu. J'ai fait du bénéf. Le plus important, c'est que j'ai fait du bénéf. Je pense que on se fait un jeu... je peux faire marketing. Oh ! Encore. Il manque un. Non, s'il te plaît, il manque un de recherche. Un petit point. Oh, putain, il manque un de recherche pour avoir... Casual, son semble être très important pour ce type de jeu. Correspondant sujet public, tout public. Et j'avais mis tout public. Ouais, toujours vous. On sait toujours que je suis un peu cos. Marketing, vas-y. 50 000 de marketing, largement worth. Vena sort sa nouvelle plateforme de jeu. Et c'est pas mal de Lago, hein, je pense. Hein. C'est pas mal de Lago, la Vena. Hein. Marketing into AOB. Ouais, il a fait des thunes, hein, ce jeu. Hein. Honnêtement, on peut rien lui... Seulement en cours de développement d'un jeu. On développe un nouveau jeu ? J'ai pas assez de temps. Vas-y, attends. J'ai juste besoin de recherche, comme ça, ça nous permettra peut-être de faire un nouveau style. Vous voulez AOB3, vous, hein. Vous voulez Jeff... Ah, vous... Vena égale public averti. Nous allons vous faire un virement. Vas-y, on voit. Rechercher nouveau thème. Donjon. Bon, j'aime bien les donjons. Mais bon. Le jeu de rythme avec le moteur. On fait AOB3 là ? Il était où ? Just Bizo. Putain, lui c'est incroyable. Hein. Professeur Bizo, c'était genre notre buzz. On a perdu des thunes sur GTA San Bizo. Hein. Vous avez fait n'importe quoi. 368 000 de bénéf. Face avec Bizo Passion Chirurgiette. Oh, mais lui, AOB. Oh, je refais un médiéval stratégie ? Donjon, c'est genre Zelda. Donjon aventure, hein. Donjon aventure. On peut faire un... On peut faire ça, ouais. Donjon aventure. Thème. Donjon. Genre. Aventure. Plateforme. On le fait sur quoi? Sur PC? Il n'y a pas beaucoup de marché, hein, le PC. Hein. Ou alors sur console. Sur la Vena Oasis. Sur la Vena Oasis? PC, ok. Il n'y a pas beaucoup de... Et tout public, hein. Et on met sur la Big Machine. On l'appelle comment? The Legend of Bizo. Putain, demandez plus quoi ça. Oh là là. Suivant. On est bon, je pense. Aventure. Non, pas Oasis. Non, on a mis PC, finalement. Non, j'ai bien cliqué sur tous les trucs, hein, là. Que vous me détestiez pas. Voilà, j'ai bien full cliqué. Je suis en full clic. Donjon aventure, il faut de l'histoire de la quête, hein, quand même. Le gameplay... Le flop, Inc. Ça sent le bide. Oublie pas marketing. Il y a du marketing, hein. Je sais pas quand, mais... T'as pas mis RPG. On a mis aventure. Moins de gameplay. Mais 50-50, tout est important là. On peut faire AOB3. Peut-être. On met tout à 50.
Cool histoire quête. Je vais faire clic droit en plein dev. Ah! Ça peut vite revenir très cher. Le profil, j'allais progressivement en testant pour voir ce qui fonctionne mieux. N'hésitez pas trop, rappelez-vous que le timing est important. N'hésitez pas à le marketing ni trop tôt ni trop tard. Il est aussi important de savoir que ce soit votre investissement dans le marketing, je ferai un bon jeu d'un mauvais. Contrairement à trop voir de mauvais jeux pour vous desservir en agaçant vos femmes. Fan. Oh, c'est 500k. On va faire classique. Hein. On fait un. Faites la publicité dans les magazines du jeu pour connaître le jeu avant qu'il soit dans les rayons. Moi, je pense qu'on le fait pas tout de suite. RPG était mieux, ouais, je sais pas. On essaye des choses, les gars. Donjon Aventure. Je vois qu'RPG, c'était peut-être mieux. Design du niveau, intelligence artificielle, un peu de dialogue, quand même. Un petit peu de dialogue. Très léger, mais... Pas tout de suite. Ouais, là, c'est trop risqué. Ouais, c'est un peu risqué, là, peut-être. Pour AOB3. Ah, c'est vrai qu'on le fera pour AOB3. On le fera pour AOB3. Vous avez raison. Vous êtes pas con. Du coup, le son, c'est pas le plus important. Le design du monde. Et graphisme, hein. Il y a quand même un peu de son, mais... Design du monde, graphisme, quoi. Dialogue. Plus de dialogue. J'aime pas les dialogues. Moi, je skip les dialogues. J'ai jamais écouté les dialogues dans les jeux. Ça m'a toujours fait chier. Je suis en mode... Et du coup, je savais pas qui étaient les persos. Je suis en mode, c'est qui, lui? Mais bon, je suis un peu con, hein, mais... Le plus gros flop du monde. Ah non mais... donne des points. Vous voulez trop m'influencer. The Legend of Bizo. Premier du nom. Déjà il nous fait level up. Rien que... Il nous a pas coûté très cher. Rien que pour ça... C'est fantastique. Je crois qu'il nous a coûté cher en fait. Parce que j'ai mis des trucs quand même dessus. Il nous a coûté assez cher je pense. Oh je suis niveau 3. Publié. Meilleure expérience utilisateur, éditeur de niveau, monde ouvert. Ah, oh, ça va, j'avoue que c'est... Oh, putain, si j'ai un 2... Oh non. On a déjà vu mieux. Je suis un mec moyen, c'est pas possible. Non, je suis un mec naze. Il ne devrait pas oublier la partie dialogue. Excusez-moi, les gars. Je suis désolé. C'est pour moi. Ah, c'est une merde. C'est un flop. Si on perd pas de thunes, déjà, c'est cool. Mais... C'est un flop, quoi. 9k vente, 8k... Oh, c'est un flop. Oh la vache. Oh, il est moche. Hein. Après, pour l'instant, on est en bénef. Hein. Il nous a coûté 50 000. On est déjà en bénef. Donc, en vrai, c'est ok. Hein. Mais là, il nous faut Edge of Bizo. Hein. On va refaire Edge of Bizo. Hein. Avec full marketing. Full marketing, Edge of Bizo 3. Edge of Bizo 3, c'est parti. Donjon aventure correct. Semble être très important pour ce type de jeu. Correspondance bonne. PC aventure, c'était bien. Bon, c'était pas mal. Rechercher. Qu'est-ce qu'on peut rechercher? Le son mono? Attends, qu'est-ce que... Éditeur de niveau. Monde ouvert. Pour Edge of Bizo. Qu'est-ce qui serait le mieux pour Edge of Bizo? Qu'est-ce qui serait le mieux pour Edge of Bizo, là? Mets tout sur AOB3. Moi, j'hésite. Parce que... en gros, on peut mettre qu'un. Meilleure expérience utilisateur, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Open world. Un monde ouvert dans... Ouais, gameplay. Monde ouvert, gros, dans un... Pour Edge of Bizo, non. J'ai l'impression que tu saisis pas bien... Le monde et l'essence de Edge of Bizo. J'ai l'impression que tu l'as pas. Attention. Recentre-toi, quand même. Repense à Edge of Bizo. Tu vois, pense à... Tu as peut-être quelques stats. Tu as peut-être quelques stats de... Mais je te mets quelques stats sur Edge of Bizo, pas de soucis. Edge of Bizo, ça a démarré, ça a été notre deuxième jeu. Chez Bizo Futé, on a eu le nez. Et Geoff Bizo, au début, c'est 39 000 investis, 21 000 exemplaires vendus, 110 000 de bénéf. On était en mois 9, année 1, saison 2. Quelques années plus tard, 2 ans plus tard, Age of Bizo 2, 45 800 ventes, 261 000. Et 4 ans après, parce que ça fait 4 ans, hein, putain, ça fait 4 ans, on va éclater. On va... Je mets tout. Il est présenté à la Gamescom celui-là. Edge of Bizo 3. Tout public. Thème médiéval. On fait stratégie ou... On avait mis quoi déjà? Stratégie, ouais. On avait mis stratégie, je crois. RPG, c'est moins bien sur PC en plus. On avait mis stratégie. Ah, on met la big machine là-dessus. Hein.
RPG. Non, non, c'est moins bien, RPG. Vous me faites faire n'importe quoi. Excellente. Excellente tes combos. Excellente. Il me le dit. Il m'encourage. C'est Age of Beasts 3. Marketing. C'est quand le marketing? Vous me conseillez quand? Oh putain, on avait mis quoi? Zéro quête. Zéro quête. Hein. Gameplay ou moteur? Oh, je coche tout. Oh non, faut l'inverse. Oh putain. J'ai besoin d'aide, les gars. J'ai merci besoin d'aide. Bienvenue à toi, Tom Tom. Merci beaucoup. Phase 2. Ok, phase 2, on met full marketing. Ok. Plus gameplay. Je sais plus ce qu'on avait mis, putain. Je me souviens plus des recettes. Les deux à fond. Tout à fond, vas-y, on met 100. On met des thunes, là. Plus de la thune. Là, je mets du marketing, là. Je retire du marché. 21 000 exemplaires, tu vois, c'est Legend of Bizo solide, tu vois. Le petit truc que tu glisses, quoi. Dialogue. Allez, dialogue, bah les couilles. Et design. Mais j'ai envie de faire ça. Tu vois, j'ai envie de faire ça, moi. J'ai envie de faire ça, là. Market. Bah merde, parce que du coup, après. Là, j'ai envie de faire ça, là. En phase de dev. Moi, je pense. Un peu moins dire. Allez, on se met comme ça. Comme ça, mais vraiment. Dialogue. Ah, un dialogue, j'ai pas envie de dialogue, moi, non. Marketing. On va frapper fort. Ouais, magazine et démo. Magazine et démo. Attends. Pour faire connaître le jeu avant qu'il ne soit dans les rayons. Je mets magazine et démo. Il y a full. Mais ouais, attends, ils m'ont fait baiser. Vous m'avez fait baisser. Engouement. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh, c'est Age of Bizo. Oh. Design du monde. Son, on baisse un peu, je crois. Oh, quand même, on met un peu de son, mais... On met comme ça, là? On go? Oh, je refous du marketing. Age of Bizo. Oh putain! 25 d'engouement! Corrigez les bugs! Touche pas. Non, oh, j'ai fait de la merde. Ah, du coup, ça a annulé le truc à l'avant? La meilleure console, on s'en fout. Oh, j'ai fait le pire truc. Tu avais mis full. Ah, du coup, on a perdu? J'aurais dû faire l'inverse en marketing. Quelle erreur. Oh le con. Oh non. Oh non, me dites pas que j'ai lâché 150 000 balles dans le vent. 2000 ventes. Bisou futé. Putain, 22, j'ai jamais eu ça là. On a tout mis. On a tout mis, les gars. Et on gagne un point en quête. Ça, c'est, ça fait plaisir. J'ai eu peur à un moment de pas gagner le point, mais là, je suis... Ouh, un bon point gagné quand même. Je publie. Putain, c'est le moment. Les premières critiques. Oh! Le jeu de la destinée. Men. Oh! Age of Bizo 3! Non, mais... 10! 10! 10! Hey, y'a qu'un 10! Vendez! Oh! Rang 7! C'est que le début! 100 000! 100 000! Oui! 100 000, on les a! Oh! Drink, 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 drink. 9,25! Mais bien sûr, nous allons faire un petit rapport! Qu'en dites-vous? Allez, t'avais un nouveau record, plus de 100 000! C'est une étape importante! On a 800 000 boules! Oublie pas d'où tu viens, PH, vous oublierez pas, les gars! Professeur Bizo! Je sais qu'on est passé par des jeux difficiles, on se souvient tous de Five Nights at Bizot's. C'était pas facile. Lui accorder un 10. Continue à niveler de la sorte, tu pourrais bien devenir le chouchou des fans. Mais mec, c'est hallucinant là. Mais je vis un rêve. Je suis dans un conte de fées. J'ai un million. Le million. Nouveau bureau. Vous êtes fait un nom. J'ai trouvé l'emplacement idéal. Technopole. Déménager.
Oh putain, started from the bottom now, c'est biseau futé en haut d'une... Eh, biseau futé, regarde comment, tu vois, on l'a bien mis sur le... Moi, je voulais de la feuille d'or. Je voulais de la feuille d'or, ils n'avaient pas. C'est dommage. Vous avez un plus gros bureau, vous allez aussi pouvoir embaucher du potentiel. Vous pouvez maintenant vous entraîner, vous ainsi que... On a le million! C'est incroyable. Commençons déjà par un suivi, suivre un cours sur le management. Alors, c'est fermé cette fenêtre. Vous entraînez sur l'application de Age of Visio 3, c'est terminé. Gameplay semble très important pour ce type de jeu. Correspondance... Médiéval, tout public, excellent. Et c'est pas fini. Mec, on est à 150 000 ventes. Non mais regarde, ça n'arrête pas. Comment on sauvegarde? Sauvegarder. Je veux Je veux être sûr de ce que je sauvegarde. C'est hallucinant. On continue. Gring, gring. Ah là, ça commence un peu à finir. On est 19e, embauche. On va embaucher les poteaux. Moi, je vais vous laisser là, parce que je dois rejoindre des amis. Incroyable. C'est fou. Mais c'est fou, 6 ans. 6 ans et on a le million. Dans ma vraie vie, c'est dans 2 ans. Putain. Il va falloir ce million. Quoi qu'il arrive, les potos, moi, je vais vous laisser là. Vous savez, ça vous coupe. Parce que comme ça, là, en fait, j'ai pas envie de me spoil. Là, on est à l'étape 2. L'étape 2, comme ça, on va tout apprendre la prochaine fois. Je sais pas quand je stream. Peut-être demain. Demain, je stream, je pense. Je sais pas quand. Vous téléchargez l'extension, vous téléchargez tout ça, c'était super cool. J'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé en tout cas ce petit Game Dev Tycoon. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir sur des jeux un peu comme ça. Et c'est des jeux qui ont déjà été faits, mais moi j'avoue que ça me fait kiffer. J'ai pas joué depuis longtemps. Et voilà, on est tes amis. Bah ouais, mais là je dois aller voir des gens, je dois faire salut. Mais là ça va être dur de revenir à la... Ces gens juste en étant normal. Parce qu'est-ce qu'ils vont savoir, est-ce qu'ils connaissent les gens à cette soirée Edge of... Je vais leur parler d'Edge of Bizo. Et je verrai les réactions. Je vous mettrai ça sur Snap, tiens. Je vais pas prendre le ploucos. Bon, allez, je fais des gros bisous. On se donne rendez-vous demain. C'était super cool, en tout cas. Très content de vous avoir retrouvé. Parce que j'ai pas live pendant un mois. Et voilà. Donc, du coup, là, il n'y a pas encore de prog et tout. Mais je repars pas un mois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On revient. C'est-à-dire que là, on revient. Petit à petit, on fait des trucs. Domingo sur Snap, mon Snap, bien évidemment. Et voilà. Je fais des gros bisous. La rediff, bien évidemment, sur Domingo Replay, comme d'habitude. C'était super cool. Et voilà. Je vous embête pas plus. Des bisous. À demain. Je ne sais quand. Je vous aime!